Depuis 2018, nous organisons donc la Semaine des Léonards. C'est une semaine qui est un petit peu banalisée, où des prestations donc individuelles et collectives donc d'élèves se présentent sur scène, sur un podium. On était à environ 7-8 à organiser ça. Ça fait environ 3 mois qu'on est dessus. Et on est très content du rendu et de voir que les élèves sont tout aussi contents que nous. Je trouve ça important que ce soit les élèves qui chantent et pas des artistes ou autres, parce qu'ils peuvent montrer leur talent toujours bien, parce qu'on encourage et voilà. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais. Nous, on est les gagnantes du concours de déguisement. On est en classe de terminale. Nous, tous les ans, on a essayé de donner le maximum de nous pour pouvoir vivre cette journée et s'impliquer dans nos déguisements. On a voulu se faire un kiff pour notre dernière année au lycée, donc on est vraiment hyper contente de ça. Ça a été un truc qui a été mûri pendant des mois et là, c'est la consécration aujourd'hui. Donc pouvoir gagner, on est super fiers et on va s'en rappeler vraiment, je pense, pour très très longtemps. Donc c'est des souvenirs qui nous ont vraiment marqués. J'ai envie d'animer cet établissement et puis je me suis dit que la Semaine des Léonards permettait eh bien, de fédérer un petit peu l'ensemble des lycéens, des collégiens, des enseignants, des élèves. J'ai un père qui est chanteur d'opéra et je suis au conservatoire et j'aime beaucoup chanter. Et c'est pour ça que l'année dernière j'avais eu cette expérience et elle était très bonne, du coup j'ai voulu continuer à faire ça. C'est important d'apporter un peu de musique et tout dans un lycée, d'avoir plusieurs aspects artistiques. Donc on a la chance d'être à la Limousin où il y a du théâtre et de la musique, donc il faut autant en profiter quoi. On s'est éclaté. Les gens étaient à fond. Il y avait une bonne ambiance. Ça rajoute du dynamisme dans le lycée, parce que bon, les cours c'est pas toujours très amusant, donc c'est bien d'avoir un moment pour se déchaîner dans l'année. C'est surtout qu'on fait partie de l'option musique, donc l'option musique c'est 2 heures par semaine, et en fait c'est des gens qui sont tous réunis autour d'une même passion, du coup tu te fais des amitiés incroyables avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi en fait. Ce qui nous permet de faire ça c'est l'option musique, donc on peut s'entraîner dans la salle de musique, parce que pour s'entraîner chez nous, la batterie c'est Paul qui l'a, elle est loin, on peut pas trop faire ça. Et puis le fait d'être une classe de musiciens, en fait, on peut un peu changer les gens avec qui, on joue, on varie les styles et voilà. Moi je trouve que, après je pense que c'est plus lié au style de musique, je trouve le style assez percutant et du coup ça permet à quelque part d'un peu évacuer les émotions. Donc quand on joue ensemble c'est quelque chose de très solidaire. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est content de jouer, c'est ça. Une semaine dans l'année comme ça, où on a 100% musique, 100% déguisement, avec de la bonne ambiance, bah, c'est forcément cool. C'est dommage que ce soit qu'une seule semaine, du coup. Ouais, c'est la dernière année, donc on en profite un maximum. Quoi. Ça fait plusieurs années qu'on le vit, et puis là, on en profite une dernière fois avant de partir. Bah, vraiment, ça donne une hyper bonne ambiance dans le lycée et tout. Et ouais, franchement, c'est génial. On se souviendra de nos années lycée. Donc on est extrêmement fiers de cette semaine-là, qui des fois aussi débloque des situations, engage nos élèves tout à fait différemment. Voilà. Donc on est très fiers de nos élèves, ça c'est sûr.